Donc vraiment, les vertus du pois chiche pour la croissance des cheveux est indéniable, est indiscutable. Tous ceux qui ont essayé cette recette, cette huile, ont eu des résultats plus que fabuleux. Je vais ici vous montrer comment, en combinaison du romarin, vous pouvez préparer cette huile qui va être fabuleuse pour vos cheveux. Donc pour cela, vous devez tremper à peu près 50 g de romarin dans la même quantité en eau, dans 50 g d'eau. Comme vous le voyez, laissez macérer pendant plusieurs jours, pendant 2-3 jours, bref, le temps pour ceci de s'attendrir de cette façon. Vous voyez, voilà à quoi ça ressemble quand ça s'est attendri. Ça ressemble à ça. C'est vraiment délicieux. Pour ceux et celles qui ne vont pas trouver ceci frais ou sec, je vous conseille de prendre le romarin en conserve comme vous pouvez. Je vous conseille de l'acheter en conserve comme vous pouvez le voir. Assurez-vous juste qu'il est bio et qu'il est sans pesticides, c'est tout. Maintenant, nous allons laisser ceci reposer pendant 3-4 jours dans un bocal hermétique comme celui-ci. D'accord, vous allez laisser la solution poser tranquillement. Donc ça, c'est si vos graines ne sont pas... Donc ça, c'est bien sûr si vos graines ne sont pas cuites comme les miennes. Ensuite, à l'intérieur, on va rajouter des graines de lin, l'équivalent d'une cuillère de graines de lin. Voilà. Nous allons rajouter le clou de girofle. La même équivalence en clou de girofle, une cuillère aussi. À peu près cette quantité. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Nous allons maintenant rajouter notre romarin, l'équivalent d'une cuillère à soupe cette fois et non d'une cuillère à café. Donc il y a une double dose là-dedans. Voilà. Et pour finir, nous allons rajouter quelques feuilles de laurier. Donc voilà mon laurier. J'aurai besoin juste de 2 feuilles comme ceci. D'accord ? Voilà. Rajoutez maintenant l'équivalent d'un verre d'eau dans votre préparation. Remuez bien. Votre préparation et vous allez laisser ceci mariner pendant au minimum 7 jours jusqu'à ce que ça ait complètement noirci. D'accord? Donc voilà, on va laisser ça. Bien sûr, de temps en temps, vous allez revenir et remuer votre préparation. Donc pensez bien à le faire. Revenez de temps en temps et remuez votre préparation. Donc là, au bout de 3 jours, vous pouvez voir la couleur que l'eau a. Donc regardez ça. C'est en train de noircir, c'est normal. Donc, vous pouvez voir la couleur que mon eau a au bout de 3 jours. Une fois que c'est bon, on va tamiser tout ça. Donc voilà ce qu'on reçoit.
D'accord, c'est un petit peu épais. Ok. Donc, vous allez maintenant mettre ça dans un tube comme celui-ci. Et vous pourrez utiliser ça en spray pour vos cheveux. Bien sûr, si vous avez un tube plus grand, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Donc, on va le faire. Donc moi, comme j'ai pas d'entonnoir, je vais utiliser ça pour mettre à l'intérieur. Donc voici, notre précieux nectar qui est prêt à l'utilisation. Vous pouvez utiliser ceci si vous avez des cheveux qui tombent, si vous avez des cheveux cassants, si vous avez des cheveux qui blanchissent facilement et rapidement. Le mélange que je viens de vous donner est un fortifiant naturel qui va traiter les problèmes de cuir chevelu, qui va traiter les problèmes de sébum, qui va traiter les infections des cheveux. Vous savez, je vous ai parlé du romarin pour redonner la couleur noire aux cheveux. Je vous ai parlé du clou de girofle en tant qu'antibiotique. Je vous ai parlé des 30 vertus du pois chiche. Bref, cette boisson est exceptionnelle pour vous. Tout ce dont vous avez besoin pour avoir des cheveux qui poussent sans relâche. Donc voilà mes chéris. N'hésitez pas, si vous avez aimé ceci, partagez avec la famille, les amis, pour que ça touche un maximum de personnes à travers vos réseaux sociaux favoris. Testez ça chez vous et revenez nous donner vos avis dans les commentaires. Ne gardez pas ces secrets de beauté pour vous tout seul. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.